bonjour tout le monde qui a regardé moi. Hello à tous. En ce moment, il fait tellement froid, c'est pas possible. Comment tu fais? Parce que franchement, il fait trop froid. J'ai fait le tri dans mon dressing et je me suis rendu compte que je n'ai pas beaucoup de pulls. Je me dis, mais je comprends pas. Comment j'ai fait les autres années pour me couvrir? Ah oui, il faisait pas aussi froid que cette année. Je n'ai pas assez de pulls. Aujourd'hui, je vais vous montrer les derniers pulls que j'ai achetés. Vous me connaissez déjà, bon plan, pas trop cher. Voilà, rapport qualité-prix, il faut que ça soit au top. Parti! Je vais commencer par ce que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai commandé ce petit haut. Là, vous n'allez pas bien comprendre le haut, mais c'est un haut qui se porte sur les épaules ou pas forcément. Il faut bien arranger si vous le gardez juste en haut comme ça. Super sympa. J'aurais préféré qu'il soit beaucoup plus long, mais il fait son effet quand on le porte. Très joli. La seule chose qui est embêtant, c'est que quand on s'habille, on met une veste par-dessus, ben l'effet sur les épaules, ben, ça se casse, ça se barre. Ça reste plus. C'est dommage, mais j'aime beaucoup. J'ai acheté ça combien sur AliExpress? Je sais plus. Cette robe, donc c'est une longue robe simple, col roulé, petit col roulé, manche longue. Donc ce qui est bien dans cette robe, c'est qu'à l'intérieur, on aurait dit que c'est une matière polaire. Par contre, je l'ai pris en L. Je pensais qu'elle allait être un peu loose, pas trop serrée. Et je l'ai pris en L ou en XL. Mais en tout cas, je voulais qu'elle soit plutôt large. Quand je l'ai mis sur moi, là, comme ça là, vous allez voir en direct, ben, elle est plutôt près du corps. Ça me dérange un peu parce que hein, le corps n'est pas hein, un flic. Tout à fait un flic. Mais bon, ça passe avec une petite veste par-dessus, un petit gilet. Ça fait son effet. Au top, la qualité, bien. Ensuite, j'ai pris cette veste qu'on voit partout en ce moment, la veste d'aviateur. Je l'ai pris en blanc cassé et je l'ai pris en M pensant que ça allait être large. Et non, c'est juste... Je trouve ça dommage parce que je pensais que ça allait être une veste assez large comme on voit dans les magasins. Et je voulais pas que ça soit trop large, mais là je trouve que c'est trop juste. C'est bon, ça rentre sur moi. Heureusement, c'est limite. Je suis pas serrée dedans, mais j'aurais préféré plus large. Je suis pas déçue, la qualité est bonne à l'intérieur. C'est moumoute comme ça, c'est peau de mouton renversée quoi. Et à l'extérieur, c'est une matière effet peau de bête. Chez H&M, dernièrement, je me suis pris ce petit chemisier que vous avez déjà vu à manches longues. Le volant est très tendance en ce moment et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je trouve que ça fait très chic. Ça change des chemisiers qu'on a l'habitude de voir à boutons. Je suis allée chez Primark avec mes soeurs. Elles ont carrément dévalisé le magasin. Non, je mens. Je ne veux pas dire ça sur vous, hein. Non, mais elles ont fait beaucoup d'achats. Donc du coup, j'ai un peu cédé à la tentation. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Primark. Ce petit haut effet cache-cœur. Donc il y a un petit nœud en bas et les décolletés. J'aime beaucoup les manches, c'est 3/4. Ça n'arrive pas jusqu'au bout. J'ai pris ce chemisier avec de la broderie. Il est assez long et j'aime bien l'effet qu'il dégage. Par contre, il n'est pas très épais. C'est un tissu très... je trouve, mais bon, faut mettre des choses en dessous si on veut le porter en hiver et mettre quelque chose par dessus assez chaud. J'ai trouvé un petit jean qui me plaisait là bas donc c'est un jean gris noir délavé comme vous voulez et les pieds sont comme ça. J'ai trouvé sympa, je l'ai pris en taille 42 parce que oui il est stretch mais je veux pas que ça me serre trop donc j'ai pris cette taille-là et je me sens bien dedans. J'ai été à Saint-Denis et à Sarcelles et même dans les petites boutiques des fois qu'on se promène et j'ai trouvé des choses sympas. J'ai acheté ce petit pull tout simple noir. Alors il était à 6 euros. Il est long quand même parce que je fais 1m70 et je trouve qu'il m'arrive au niveau des cuisses. Il y a une petite fente sur le côté. Je ne pourrais pas vous dire quel magasin mais c'est dans un petit magasin à Saint-Denis. Hein. À 6 euros tout simple. Après, c'est pas le pull hyper épais. En fait, c'est entre le top et le pull. Voilà, c'est les sortes de top de cette matière élastique qui tiennent quand même chaud, qu'on peut mettre en dessous d'un pull ou qu'on peut mettre seul comme ça, en dessous d'une veste.
mais ça tient pas hyper chaud. J'ai craqué pour ce pull là et je pense que j'irai prendre une autre couleur. C'est le V que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pris en noir et blanc, mais il y avait d'autres couleurs. Il était à 10 euros. Je trouve que c'est un pull pas mal. Il faut mettre un sous-vêtement à manches longues si on veut vraiment avoir chaud, parce que le vent va passer entre les mailles. Ce sont pas des mailles hyper fermées, hein. C'est des trucs des chinois, donc voilà. Pas très cher, mais beau en soi. On met un top en dessous, je pense que ça fera l'affaire. Je me suis dit des ponchos. Je suis pas très poncho et je sais pas pourquoi. Ben, j'ai eu un petit coup de cœur sur celui-là. Il est col roulé et il se porte comme ça, c'est un triangle. Je le trouve hyper joli. J'ai beaucoup aimé, il était à 12 euros. Je l'ai pris vers les premiers magasins quand on arrive de Saint-Denis. Et je trouve qu'il est super joli. Il fait son effet quoi. À Gare du Nord, dans les petites boutiques en allant vers le métro 4, j'ai flashé sur ce pull là qui était sur le mannequin. Je trouve qu'il est quand même assez cher. Les mailles sont resserrées. Le pull n'est pas super épais, mais je pense qu'il peut vous tenir bien chaud. Il est évasé légèrement en bas et il m'a coûté 39 euros. J'ai eu un coup de cœur sur la couleur, sur la forme colletée. J'ai beaucoup apprécié ce haut. J'ai été au marché de Sarcelles. Encore une de mes soeurs qui m'a tirée au marché de Sarcelles. Bon, elle m'a pas obligée, hein, mais bon, je me suis sentie obligée d'aller avec elle. Hein? Je pouvais pas la laisser toute seule. Et il y avait des choses pas mal. J'appellerais pas ça un pull, mais c'est un haut épais à manches, pas trop long. J'ai bien aimé les motifs qu'il y a devant, à 5 euros. Franchement, c'est un top qu'on aurait pu retrouver à Bershka, pour celles qui vont à Bershka régulièrement. J'ai pris un autre poncho qui est comme ça. Donc, je vais vraiment me mettre debout parce que vous n'allez pas voir. Il est double face. Donc, j'ai bien aimé l'effet que ça fait. On peut mettre ça avec une tenue toute simple, entre son pull et la veste ou par-dessus la veste, comme vous préférez. Je suis pas très habituée à porter ce genre de poncho, mais je me dis pourquoi pas. Franchement, ça m'a pris comme ça. Là, je me suis dit, allez, tiens, je vais m'acheter plusieurs ponchos. On va voir qu'est-ce que ça donne. Vas-y, voilà. Toi, tu aimais pas ça, mais aujourd'hui, tu veux en acheter. Mon frère m'a dit, tu vas acheter tous les ponchos que tu vois sur le marché. C'est bon, il faisait froid sur le marché. On est monté, on est descendu. Et j'ai pris mes ponchos, voilà. Deuxième poncho que j'ai pris sur le marché de Sarcelles, c'est celui-là. Très joli, toujours à 5 euros. 5 euros, 5 euros. Allez, 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 allez. Vous connaissez sur le marché, c'est 5 euros, 5 euros. Allez, 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 allez. Ouais, j'y vais, c'est bon. J'ai vu notre poncho à Forever 21 et j'ai craqué pour lui. Je l'ai regardé, je l'ai déposé, je l'ai repris, je l'ai déposé, je l'ai repris. Je l'ai redéposé et finalement je ne l'ai pas acheté. Et j'ai acheté un autre. Je me suis dit non, je ne t'achète pas trois, j'achète un autre. Donc j'ai trouvé celui-là que je trouve super canon. Il est tellement long, il est beaucoup plus long que les autres. Il peut se porter sur des manteaux carrément, tellement il est long. Il est fin pour ce qu'il est. J'ai trouvé c'est abusé. Mais bon, les ponchos comme ça, je les porte aussi en foulard. Parce que celui-là, on peut l'attacher sur les côtés pour mettre ses bras. Mais je le prends comme ça aussi. Et voilà. Foulard. C'est pour ça aussi que j'ai acheté plusieurs ponchos. Je me suis dit, bon, ça peut se porter sur les épaules, mais aussi en foulard. Et ça chauffe super bien. C'est ça que j'ai acheté dernièrement pour braver le froid. Enfin voilà, vous avez compris, hein. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi quel pull que vous avez préféré. Est-ce que vous portez des ponchos? Est-ce que vous êtes team poncho ou team pas poncho? Moi j'étais team pas poncho, maintenant je suis team poncho, je sais plus, je suis perdue. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous aimez? Où vous achetez vos pulls? Des pulls assez épais, peut-être plus chers que moi, mais de bonne qualité. Dites-moi tout en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et si vous avez aimé, vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.